Chacun ici est censé proposer ou indiquer un domaine d'action. Le domaine d'action que je voudrais désigner à partir de mon travail, c'est celui de la pensée. La commune pensée, ou penser la commune. Les éclairs de voix brefs, volontairement étouffés, lui parvinrent du côté des trois ou quatre individus qui venaient d'entrer. Caddy comprit qu'il se passait enfin ce que les gens de la cour avaient attendu. L'école a pour objectif de produire de l'échec scolaire. Le pénal, c'est bon pour les uns, et c'est inopportun pour les autres. Vous m'aurez compris, les pauvres, les noirs, les arabes, les prostituées, les gens du voyage, les militants. Inopportun pour les autres, les chefs d'entreprise, les policiers, les hommes politiques. Les tâches domestiques sont méprisées parce qu'elles n'ont pas de valeur au sens de valeur marchande, et elles n'ont pas de valeur parce qu'elles sont accomplies par les femmes. Les femmes, les noirs, les arabes, les juifs, les homosexuels, les personnes en situation de handicap, les jeunes, les vieux, toutes ces personnes réunies font déjà 80% de la population française. Ceux qui restent, et qui sont par conséquent une minorité, ont été jeunes, je suppose, sont appelés à vieillir, j'imagine, et peuvent donc également être victimes de discrimination. Les journaux paraissent, il n'y a pas de poème dedans. Les journaux paraissent, on ne reproduit pas les œuvres d'art. Des journaux paraissent, ce ne sont pas des écrivains ou des artistes qui les écrivent, ce sont des commères. On nous dit souvent, il y a eu les 30 Glorieuses, et puis depuis 30 ans, c'est la crise, il faut serrer les dents. Qu'est-ce que c'est la crise ? Bah, c'est d'abord une gigantesque augmentation des inégalités. Il y a comme une ressource dans le travail de reconstituer ce que nous avons perdu, cette déstructuration effarante du monde du travail où chacun est seul avec la peur. Nous récompensons les coupables et nous faisons payer les innocents. Qui croira que c'est parce qu'il y a des sanctions pénales à la clé que les étrangers cesseront de circuler à travers les frontières de l'Union européenne ? Un mouvement dont s'éprendrait la jeunesse, une gaieté, une ardeur, des phrases drôles et des phrases tragiques pour dire le peu qu'il faut dire. Par exemple, cette injonction devenue obscène. Faites de la politique.